Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est JP, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, j'étais en Pier 47 pour venir vous montrer une piste qui s'appelle la Nanaimo, mais au meilleur de mes connaissances, la piste n'existe plus et je fais donc face à une piste qui semble s'appeler l'Évolution. Je suis probablement tout aussi curieux que vous. Écoutez, il n'y a pas de ruban qui m'empêche d'y aller, il n'y a pas de... Écoutez, allons découvrir ensemble, voyons. OK. C'est donc bien cool, les petites découvertes comme ça. Well. C'est un virage. OK. Ben voyons donc. C'est quoi ce bel petit endroit-là que je suis en train de découvrir puis j'avais comme jamais entendu parler. OK. Mais c'est donc bien cool. Oh my god! Attends un peu, là. Mais c'est donc bien cool, ça. J'ai-tu le droit d'être ici? Christian, j'ai-tu le droit de... Well... Je sais pas si j'ai le droit d'être ici. J'ai pas rien vu qui bloque le chemin. J'ai pas... Écoutez, tant que personne me court après... J'suis un petit gars curieux, hein? Je pense que... Secteur technique incliné. OK. Mais encore, il y a ça qui m'intrigue, là. Écoute, moi je veux tout faire ça. Oh, c'est donc bien cool. Mais c'est donc bien malade. Attends un peu, là, c'est donc bien cool ça. Ben voyons donc. Ça ici, vu qu'on en a un petit technique sur la droite comme ça. On va aller chercher ça, faire passer la roue, faire passer comme ça. Regardez. Hop, hop, hop. Ok, là, je suis dans l'avancée, là. Là, ça va. Hey. Un sans faute first time! Hein? Puis là, si je comprends bien, mettons, tu peux comme faire ça de même. D'habitude, je suis meilleur que ça. Non, peut-être pas par en haut de même. Mettons que je fais ça de même. Genre, Gab Marceau qui va arriver, genre, JP, qu'est-ce que tu fais là? Puis bien, je m'amuse. Yep. Oh, le chin ring. Oh, me voilà. J'en ferai un autre comme ça, puis je serais curieux. Par l'autre bord. Un petit facile, ça. Ça. Les petites marches ont le fun, pour vrai. Je viens de réaliser que j'ai pas beaucoup commenté ce que je faisais. Ça prend quand même une pas pire équilibre pour faire ça. Un bon contrôle du freinage, un bon contrôle du chain stay de la roue dans l'arrière. Oh, un petit lab qui surprend. Écoutez, je pense qu'on a un nouveau secteur qui ouvre bien vite, guys. C'est donc bien hot! Et on tombe dans l'ancienne Super S. Oh, les jumps sont beaux! Super fluide! Il y a des jumps partout! C'est donc bien malade! Écoutez, je m'en venais vous montrer la Nanaimo puis la Super S, mais là, je pense que j'ai tombé sur une petite exclusivité. Petite cachette qu'Empire 47 nous gardait. Bon, donc ici c'était
ce qu'on appelait la Super S. La petite piste qui semble avoir changé. Des trucs qui ont été rajoutés, des trucs qui ont été enlevés. Ah non, la Super S arrivait de là-bas. Là, j'étais un petit peu confus. Parce que la trail que je connaissais semble avoir changé pour devenir une du bel jump line. Tantôt, je montais, il y avait une pancarte jump line intermédiaire. J'étais comme, eh bien, il me semble construire quelque chose. Je pense que je suis tombé dedans sans avoir voulu le faire. Ok, il y a vraiment de quoi de cool qui est en train de se tramer. Ça, guys, je n'avais pas entendu parler. Puis, j'ai des bons contacts, mais là... Avec les petits mooks dans la zone de drop, c'est donc bien cool. Il y a tellement de raisons que ce site-là revient dans mes favoris année après année. Que ce soit la progressivité du centre, que ce soit tous les ajouts qu'ils vont faire année après année dans le expert, dans le facile, dans tout ce que vous pouvez trouver entre les deux. C'est vraiment le fun, tout ce qu'ils font. Le petit secteur ici est vraiment trippant. Et sur ce, j'ai une bonne discussion à aller voir avec M. Christian Catherine, savoir si je peux présenter ces magnifiques images-là. Donc, j'espère que vous avez pu écouter. Et sur ce, bon, on se voit au prochain épisode de Freeride Québec. Vous êtes bon pour me suivre? Yes! Yes, salut là! Alors! Alors, on fait une petite Jedi! Sur le nomade! Le bike jump quand même très bien. Hop, j'étais un petit peu short pour celui-là. Encore attends. En train de l'apprivoiser. Ouf, mais pour celle-là.